2019. Ils sont partout, tout le temps, autour de nous. On ne les voit pas, mais on les entend parfois. Et lorsqu'on croit les apercevoir, ils disparaissent. Comme un souvenir fugace auquel on voudrait s'accrocher. Ils nous observent, ils nous surveillent, ils nous connaissent. Ils portent un nom à faire frémir les plus courageux. Un nom de divinité babylonienne. Un nom digne d'un bateau viking. Ce sont les drones! Les formidables drones! Fuyez! Fuyez, malheureux! Et puisse Dieu vous offrir la protection d'un abri lorsque vous entendrez leur terrible cri. Ok. Au niveau du son, c'est vrai, on doit encore bosser pour rendre ça un peu plus impressionnant. Là, on dirait un schtroumpf qui pète de manière éternelle. Mais ça s'appelle des drones! Tremblez! C'est bon. Ridicule. Ok. Oh, bah, c'est vrai que c'est assez ridicule comme machin. On dirait des genres de gros insectes un peu pâteaux qui piquent même pas. C'est des bourdons synthétiques en fait. Puis alors, le bourdon, c'est vraiment le con dans le monde des insectes. Hein. Ah non, mais je m'excuse auprès de tous les bourdons qui nous écoutent. Mais c'est vrai, autour de la table, vous avez déjà essayé de parler un peu philosophie avec un bourdon? Aucune répartie, rien. Heidegger, Wittgenstein, même ça, même la base, y a rien. Ah non, c'est con un bourdon. Hein. Mais pourquoi on s'est inspiré de cet insecte si nul pour inventer les drones? On aurait pu choisir n'importe quelle autre bestiole comme, je sais pas, la panthère. Ça c'est un animal classe, la panthère. Non, ça vole pas. C'est plus classe qu'un bourdon, putain. Alors bon, j'admets, y a bien certains drones plus gros qui ont un peu de gueule. Mais bon, hey, où s'arrête le drone et où commence l'hélicoptère? Moi je vous le demande. Elle est où la limite? Ah non, mais c'est pas un camion, c'est une voiture de 26 tonnes! À partir du moment où on peut transporter des gens et des marchandises, on peut se mettre d'accord et puis appeler ça des hélicoptères. Non, mais c'est parce que ça, en fait ça se pilote pas pareil! Ah bah si on réfléchit comme ça, il va aussi falloir trouver un nom pour les voitures autonomes! On peut pas appeler ça voiture puisque ça se pilote pas pareil! Alors je propose que dorénavant, on appelle ça. Véhicule algorithmique! Ou bien Cyber Move. Ou bien Automobile. Ah, c'est pas mal ça, Automobile. Pour en revenir au drone, c'est vrai que c'est le futur. Hein. Là en Suisse, la Poste a déjà commencé à faire des livraisons par drone. Pour le moment, c'est réservé à des hôpitaux, plutôt pour des trucs légers comme des échantillons de sang. Dis donc, faudrait pas qu'il y en ait un qui se casse la gueule, t'imagines les risques de contamination? Eh ben c'est justement ce qui s'est passé pas plus tard que vendredi à Zurich, un drone chargé de sang s'est écrasé dans le lac. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça pourrait vraiment ressembler au premier épisode de Walking Dead. Génial!